10h, l'heure de la balade matinale pour Brice et Nuggets, son fidèle bulldog français. Si d'aventure Nuggets se lève la patte, Brice l'assure, il sera là pour ramasser. C'est quand même assez sale de laisser les crottes de ces animaux, donc pour faire un acte simple et citoyen, il faut ramasser. Pourtant, sur la voie verte, lieu prisé pour une promenade canine, des excréments tous les 3 mètres. Trop, c'est trop. La mairie de Périgueux a décidé de sévir. Depuis janvier, les agents de la Brigade Verte patrouillent et verbalisent. On arrive sur les lieux, on constate donc l'infraction qui est caractérisée par la déjection qui n'est non ramassée, je précise, parce que si les gens ramassent, mettent à la poubelle, on n'intervient pas. On prend contact avec les mises en cause et à ce moment-là, on leur assigne une contravention. Elle s'élève à 68 euros. Excessif ? Pas vraiment, au regard des frais engendrés par les déjections canines. Ça coûte 100 000 euros par an. Pour vous donner quelques chiffres, on ramasse 100 kilos par jour, ce qui est énorme. On a deux motocrottes qui tournent toute la semaine, une qui tourne le week-end. 36 tonnes d'excréments ramassés à l'année. Pourtant, des sacs sont distribués gratuitement en mairie. Évitons de prendre la voie publique pour des toilettes canines, même si ça porte bonheur, paraît-il.